Bonjour les amis, aujourd'hui petit tuto à l'ancienne toupette, on fait les tutos comme à l'ancienne, on part de zéro. Sauf que regardez, je ne suis pas dans mon studio, où suis-je? Je suis en plein milieu du marché de Chatuchak à Bangkok. Qu'est-ce que c'est que le marché de Chatuchak? C'est l'un des plus gros marchés au monde déjà. Et la section aquariophile est complètement géante. On peut tout trouver ici. Donc je suis arrivé ce matin, j'avais rien. Là je suis dans la boutique d'un de mes meilleurs potes thaï, Garfield, qui nous a gentiment accueillis. Regardez ce beau décor, il vend des poissons. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va monter l'aquarium step by step. J'avais rien quand je suis arrivé. Donc j'ai commencé par aller faire les courses. Hein, j'étais avec Quentin. Et ben l'avantage d'ici c'est qu'on trouve tout dans un rayon de 200 mètres. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour pouvoir faire l'aquarium. Évidemment j'ai payé ça quasiment que dalle. Donc c'est le principe, l'avantage d'être ici. On va se faire le petit tuto, c'est parti. On a été faire les courses, ici je suis un peu comme à la maison. Je dois dire que je viens ici depuis que je suis tout petit. Donc je connais la plupart des shops et tout. Même si ça évolue beaucoup et qu'entre chaque voyage il y a des nouveaux shops, des qui ouvrent, qui ferment. Bref, j'ai trouvé tout ce qu'il nous fallait. Mais c'est pas le principe du jour, le principe du jour c'est de vous faire le tuto crevettes. Donc on va se focus là-dessus. Les crevettes sont vachement à la mode en aquariophilie depuis quelques années maintenant. On trouve une multitude d'espèces et elles ne s'élèvent pas toutes pareilles. Aujourd'hui on va se consacrer sur les crevettes les plus simples à élever, qu'on appelle des crevettes red cherry. Le petit nom scientifique c'est Neocaridina davidi. Donc il y a plein de morphes de couleurs différentes, mais ce sont toujours la même crevette. Ces crevettes tu peux les élever dans des aquariums communautaires, mais je te le déconseille fortement car ces crevettes plus poissons, eh ben ça marche pas, les poissons ils vont manger tes larves de crevettes. Donc même si parfois certaines personnes vont avoir des crevettes adultes avec des poissons et ça marche très bien, si tu veux avoir des crevettes qui se reproduisent parce qu'elles se reproduisent très bien en captivité, on va en parler plus tard, je te conseille de les élever seules. Tu peux leur mettre des potes escargots, ça tu peux, mais tu ne mélanges pas les espèces de crevettes, c'est pas une bonne idée parce que je t'explique qu'elles ne vivent pas forcément avec les mêmes paramètres, et tu ne mélanges pas non plus les couleurs, parce que même si tu trouves plein de couleurs différentes, si tu trouves des jaunes, si tu trouves des bleus, si tu trouves des rouges, le problème c'est que si tu les élèves ensemble ça va être super joli, mais elles vont se mélanger entre elles et les jeunes, et ben ça va te faire des jeunes tout gris. Pour élever ces crevettes, le truc le plus important, il faut bien que tu comprennes de monter un aquarium blindé de plantes. Ces crevettes elles se nourrissent beaucoup de micro-algues qui vont se développer dans les plantes, mais aussi de micro-organismes qui vont vivre dans ton aquarium. Donc si tu fais un aquarium sans plantes pour des red cherry, ça marche pas. Donc le but c'est de faire un joli aquarium pour que ce soit cool à l'œil, qui est beaucoup de plantes pour que ce soit cool pour elle. Bon, je trouve que je parle beaucoup et que je fais pas grand chose là, donc on va commencer par monter le bac ensemble petit à petit, et puis pendant que je monte le bac, je vais te donner plein de renseignements sur ces crevettes parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à savoir. Hein. Allez, c'est parti. Ces crevettes red cherry, elles sont quand même très robustes, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui à la base sont originaires d'Asie. Elles vivent dans des rivières où la plage de température peut être assez énorme, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre entre 6 et 28 degrés, on va dire. Nous en aquarium, on va essayer de les élever entre 23 et 26. C'est parfait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tu as besoin de beaucoup de plantes, il va falloir faire un aquarium qui est cool pour les plantes. Donc pour ça, il va falloir déjà commencer par un substrat qui est bien pour les plantes. Tu as une multitude de choix que tu peux mettre dans le sol. Le tout est que les racines des plantes puissent bien, s'amarrer dans le sol. Aujourd'hui, là au marché, j'ai acheté un espèce de quartz noir. C'est pas le sol le plus ouf qu'on puisse trouver pour les plantes, mais j'ai pas trouvé de sol complet. En fait, la boutique qui en vendait était fermée. Donc tu pourrais partir sur du madano, sur du sable, sur un peu ce que tu veux pour les plantes. Mais si tu mets un sol neutre, il va falloir mettre de l'engrais pour les plantes, c'est normal. Donc je vais verser mon substrat, j'ai acheté 5 kg, je sais pas si ça va suffire, on va voir. Ah bah oui, ça va suffire, j'avais un doute, mais ça va suffire. Hop, je répartis mon substrat un peu comme d'habitude, ça je vous le dis à chaque fois. On va laisser devant une ligne assez fine pour ne pas trop obstruer la vue et que tu puisses le voir. Et on va remonter comme ça derrière, hop là, en créant une petite pente assez douce, voilà. L'avantage de mettre un substrat sombre, ça va sécuriser tes crevettes. Tes crevettes, elles aiment bien être sécurisées. Donc si tu mettais un substrat hyper blanc et tout, ce serait hyper flash pour elles, beaucoup de lumière, elles seraient un peu moins à l'aise, tu vois, elles vivraient un peu moins à la cool. Une fois qu'on a mis notre substrat, comme ça, on va mettre des roches, parce que les roches, c'est joli, tu vois, on aime bien en aquarium mettre des roches. Donc là, pareil, multitude de choix de roches. Ces crevettes, elles n'ont pas besoin de paramètres d'eau qui sont vraiment ultra précis. Donc on pourrait mettre des roches par exemple qui mettraient un pH assez élevé. On va dire que les crevettes tu vas les élever entre un pH entre 6 et 8, c'est bien. Donc si tu partais sur des roches un peu calcaires, ce serait pas très grave, tu vois, elles pourraient l'encaisser. Même si tes plantes elles aimeraient pas trop ça, les plantes elles préfèrent un pH un peu plus bas. Les dragonstone en fait sont des donc les roches du dragon comme elles s'appellent, sont des roches qui sont très populaires en aquascaping. Elles modifient pas énormément les paramètres de l'eau, donc ça c'est cool. Elles sont un peu crado, il faut bien les laver, tu vois, il faut bien les laver. Et par contre ce qui est cool c'est qu'elles sont très
facile à découper. Là, on a l'impression que c'est dur comme du granit. Pas du tout. Tu vois, j'ai été tout à l'heure dans un shop, elle avait qu'une grosse pierre. Je lui ai dit que je voulais que 2 kilos. Elle a mis des coups de tournevis avec un marteau dedans et je suis reparti avec ça. Elle me les a lavés, donc ça, c'est trop cool de sa part. Si seulement on pouvait avoir ça en boutique aquarium en France, je kifferais. Je vais essayer de trouver un emplacement où ce soit joli à l'œil. Et là, c'est toujours pareil. Si tu avais des poissons, par exemple, je te déconseillerais d'installer les roches sur le substrat. Je te conseillerais d'installer les roches directement au fond de la vitre parce que les poissons pourraient aller creuser en dessous, tu vois, et faire bouger les roches. Là, c'est pas le cas. La crevette, tu vois, la crevette, elle pèse 1 mg. Elle va pas, et si tu veux, elle va pas avec ses pattes pouvoir la déplacer. Je vais essayer de trouver une forme harmonieuse pour poser les roches, tu vois. Je vais regarder ma roche. Je trouve que le côté le plus joli, c'est celui-là, là. Donc, c'est celui qu'on va mettre en avant. Voilà. Hop, on va en poser une ici. Ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. C'est assez harmonieux à mon goût. Les pros de l'aquascaping, ils cherchent vraiment le placement parfait avec vraiment et tout. Bon, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire un joli aquarium et ça ira très bien. Tes crevettes, tu peux les élever dans à peu près n'importe quel volume. C'est-à-dire que si, mais je te conseille de faire au moins 20 litres pour une raison, c'est que 20 litres, c'est le minimum pour avoir une stabilité. Quand il commence à faire chaud chez toi, si t'élèves dans 5 litres d'eau, en 2 heures, ton bac, il monte très très vite. Donc là, cet aquarium, il fait environ 40 litres de flotte, 45 litres, c'est parfait, tu vois, pour les red cherry. Mais on pourrait très bien faire un aquarium très grand avec que des crevettes, ça pourrait être très cool. Et le plus petit, je te dis 20 litres minimum. Qui dit plante dit forcément éclairage. Aujourd'hui, les LED sont ultra populaires en aquariophilie. Les LED, ça consomme moins que les tubes néons, c'est plus facile à. T'as pas à les changer comme les tubes néons régulièrement. Donc les LED, ça marche très bien. Moi, à la maison, j'ai envie de dire à Paris, j'utilise beaucoup de la marque Shiros. Ici, j'ai acheté le bac, ils m'ont vendu cette rampe avec. C'est une petite rampe d'origine chinoise, tu vois, elle a plein de couleurs différentes. Les différents specs de couleurs sont plutôt adaptés aux plantes. Une petite rampe LED comme ça fera quasiment l'affaire, mais prends quand même quelque chose de puissant parce que tes plantes elles vont avoir besoin de lumière pour pouvoir se développer. On va partir sur un nouveau type de filtre qui est hyper adapté aux crevettes. En fait, on va utiliser un filtre qu'on appelle un filtre à exhausteur. En fait, c'est ça. C'est pas un filtre qui se branche directement sur le courant, c'est un filtre qui se branche avec une pompe à air. Je vais vous expliquer. Le principe de ces filtres, on injecte de l'air à l'intérieur. Regardez. Donc je me retrouve avec une petite pompe à air qui est une version locale de ce qu'on pourrait trouver chez nous. Donc ça c'est très simple, hein. À l'intérieur il y a une membrane qui vibre et qui crée de l'air. On va venir en fait brancher le tuyau ici et en fait vous allez voir, ça va faire monter l'ébullition ici. En fait l'air va aspirer de l'eau, en fait va faire bouger de l'eau et l'eau va passer à travers cette éponge et va ressortir ici. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un filtre normal? Parce qu'en fait les crevettes quand elles font des bébés ils sont vraiment minuscules, tu vois. Et les bébés minuscules dans un filtre classique ils pourraient être aspirés et c'est dommage, tu n'élèves pas les animaux pour qu'ils finissent dans ton filtre. L'avantage de ça, c'est que tu n'as pas tes crevettes qui peuvent être aspirées. Tu vois, les crevettes ne peuvent pas être aspirées avec la mousse. Deuxième avantage, on ne va pas avoir beaucoup de pollution dans cet aquarium. Les crevettes sont des animaux qui vont manger beaucoup d'algues qu'elles vont trouver sur les plantes, des micro-organismes. On va les nourrir une à deux fois, trois fois par semaine, mais vraiment en toute petite quantité. Donc la pollution engendrée dans cet aquarium est quasi nulle. Donc j'ai pas besoin d'avoir un gros filtre qui va m'enlever cette pollution et qui va me faire une vraie usine à épuration. Ça, ça va largement suffire. Le filtre, on va le placer dans un coin de façon à ce qu'il prenne le moins de place possible et que ce soit le plus esthétique possible. Et je venais venir le placer ici. Hop là, voilà. Avec l'éponge dans le fond, hop, on va le mettre là, clac. Très important, quand tu utilises des pompes à air, tu installes toujours ce qu'on appelle un anti-retour. En fait, c'est une petite pièce en plastique qui va empêcher l'eau de remonter et d'aller se mettre dans ta pompe. En fait, là, j'en ai pas mis parce qu'en fait, quand j'ai acheté ma pompe, elle m'a dit que l'anti-retour était déjà installé à l'intérieur, tu vois. Donc, je sais pas si c'est vrai, ça se trouve, j'ai mieux électrocuté, mais je pense qu'il y a peu de risques. Donc, on se retrouve avec la config. Le sol, le hardscape est fait, ce qu'on appelle hardscape, c'est sol, roche et tout, est fait. Le filtre est mis en place, la lumière est mise en place, maintenant il nous reste à planter. C'est parti. On vous parle beaucoup des plantes. Les plantes c'est très important et surtout les plantes avant de les planter, il y a deux choses à respecter. Déjà on les vaporise régulièrement pendant qu'on plante parce qu'elles peuvent se dessécher à mort, surtout chez nous. Là on a 80% d'humidité donc c'est moins grave, tu vois, on va avoir moins besoin de les vaporiser régulièrement. Mais le même délire, quand j'ai acheté mes plantes tout à l'heure, elles sont dans des pots et ces pots on n'en veut pas, on veut les virer. Parce que regarde mon ami, quand j'enlève ma plante, je me retrouve avec ça. Ça, c'est de la laine de roche, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de la mettre dans mon aquarium, tu vois. Donc, je la vire. Hop, ça, je l'enlève. Voilà, hop. Et je me retrouve avec, en fait, non pas une plante, mais une multitude de petites boutures de plantes, comme ça, clac, que je vais aller planter en petit bosquet. Donc là, je vais préparer mes plantes et après, on va tout planter d'un coup.
J'ai pris des plantes rouges aussi, j'adore. Alors les plantes rouges, le problème en fait, c'est que pour qu'elles restent rouges, il faut beaucoup les éclairer et parfois il faut leur mettre du CO2. Donc écoute, si tes plantes rouges elles redeviennent vertes, je t'aurais prévenu, ces plantes à la base elles sont vertes et en une semaine sous CO2, et ben en fait elles deviennent rouges. Là dans la config du bac, on n'a pas mis de CO2. Le CO2 c'est quelque chose qui est quand même relativement facilement réalisable. Aujourd'hui tu trouves des kits vraiment faciles, mais dans cette config aujourd'hui on n'en a pas mis. Là elles sont dans un petit pot avec du sol technique, donc... Ah là, elles ont déjà poussé dans du sol technique, donc ça je vais le garder parce que ça c'est bien pour elles. Ça c'est pas comme la laine de roche, ok. On a acheté aussi ça, les crevettes elles adorent la mousse. Comme je te disais, elles vont principalement se nourrir de micro-algues et de micro-organismes et la mousse est vraiment très très adaptée pour elles. Donc là j'ai acheté des petits bouts de bois, en fait des petits bouts de racines sur lesquels a déjà colonisé de la mousse. Et en fait tu vois, elles sont accrochées, le mec il a tout accroché avec du fil de pêche et en fait ça te donne ça une fois que ça se développe. Et ça c'est plutôt joli tu vois. Il ne me reste plus qu'à... Ah si, j'ai acheté un autre truc aussi, regardez. J'ai trouvé ça joli. En fait, c'est des myanthus. Et myanthus, c'est une plante qui tapisse. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Voilà. Hop. Et en fait, ici, ils les mettent directement dans des petits pots, tu vois. Et j'ai trouvé ça super sympa. On va venir la planter dans le sol et tout. Ça va être cool et elle va bien se développer. Mon meilleur accessoire, mon best bro pour les plantes, c'est ça, les gars. C'est une petite pince, en fait, qui va venir me permettre de planter. Et c'est beaucoup plus facile. Si tu plantes avec tes doigts, en fait, tu vois, ça va être une galère monstre. Pour avoir un rendu naturel, en fait, les plantes, on va pas éparpiller partout. On va faire comme dans la nature. On va faire des petits bosquets, espèce par espèce, espèce par espèce. Tout ce qui a poussé sur support, comme ça, je vais venir les mettre un peu devant. Là, voilà, comme ça. Celle-là, on va venir la caler, par exemple. Elle a une forme un peu sympa, donc on a envie de voir la forme un peu sympa. On va la mettre, par exemple, contre la roche, ici. Ça, le petit tapis des myanthus, on va le mettre au premier plan, parce que plus les plantes sont petites, plus tu as envie de les voir. Alors, attends, je me suis un peu emballé, là. Est-ce qu'elle va tenir ici? Non, alors on va la mettre ici. Hop là, tac. Voilà. Mon émiantus, elle est là, elle va partir, elle va venir se développer. Maintenant, on va planter les bosquets de plantes. Donc, comme je te l'expliquais, on va essayer de les planter variété par variété. On va pas tout mélanger. Donc, je vais prendre mes brins un par un ou deux par deux, comme ça, avec ma petite pince. Clac. Et je vais venir les planter avec ma pince. Clac. Derrière les roches ici. Tac, j'enfonce et je retire délicatement ma pince. Je remets un peu de gravier autour et ça ne va pas bouger. Toi, quand tu plantes en France ou dans un pays où il fait plus sec, tu vaporises régulièrement. En une demi-heure, là, les plantes, elles pourraient sécher. Là, il fait tellement humide. De toute façon, je sens l'humidité partout que de toute façon, on n'a pas ce genre de souci. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante, donc si tu le sais, mets-le-moi dans les commentaires. Donc, je continue en mode jardinier. Non, je t'entends, celui qui m'a dit « Mais est-ce qu'on peut mettre des plantes en plastique ?» Alors, c'est non, déjà, parce que si tu veux mettre des plantes en plastique, je suis désolé de te le dire, mais tu n'as pas de goût. Donc, pars sur des plantes naturelles. Et en plus, tes crevettes, elles aimeront pas les plantes en plastique, elles auront rien à manger dessus, donc tu vois, c'est pas cool. L'avantage de ces plantes à croissance rapide, c'est qu'elles se bouturent très facilement, tu vois. Donc, tu as juste à couper, hop, tu plantes et les racines vont venir dans quelques jours. Donc ça, c'est un vrai kiff. Je t'entends me dire, mais pourquoi tu les plantes pas une fois que t'as mis l'eau? Eh ben parce que c'est beaucoup plus galère. Et qu'une fois que t'as mis l'eau, en fait, à chaque fois que tu plantes, tes plantes, ah, elles vont remonter, ça va être le bordel. Donc il vaut bien mieux planter à sec, comme ça, et après mettre de l'eau, mais vaporiser régulièrement, je te l'ai dit. Un truc que je t'ai pas dit, quand tu auras choisi ton substrat, malheureusement en France, quand tu achètes les substrats, ils sont souvent dégueulasses, ils sont blindés de poussière et tout, et il faut hyper bien le laver. C'est le truc le plus chiant en aquariophilie de laver le substrat, ça prend du temps, faut le laver à grande eau, t'as plein de techniques avec une passoire, dans un seau. Là, c'est un kiff total de pouvoir acheter les substrat au kilo et qui soit déjà préalablement lavé, j'adore. J'ai pas mis de chauffage dans cet aquarium tout simplement parce que déjà ici il fait chaud. Ensuite j'ai expliqué que les crevettes Red Cherry s'adaptent à plein de températures. Donc si chez toi il fait 22-23, ça ira, t'as pas vraiment besoin de chauffage. S'il fait vraiment plus froid, ça va pas les tuer mais ça va ralentir en fait leur métabolisme, donc elles vont moins se reproduire et tout ça. Donc en fonction de la température, soit tu mets un petit chauffage ou pas et tu adaptes la puissance en fonction du volume de ton aquarium. Là j'ai fini ma plantation, j'ai fini mon décor, j'ai tout fini. Maintenant on va passer au remplissage du bac. Alors là, il y a plein de techniques différentes pour remplir. La seule technique qu'il faut pas faire, c'est prendre un arrosoir et hop. Tu peux remplir avec plusieurs types d'eau différentes. Tu pourrais faire par exemple moitié osmosée, moitié eau du robinet, ça pourrait marcher. Mais si tu mets de l'eau du robinet, tu la laisses reposer pendant au moins 24 heures de façon à ce que le chlore puisse s'évaporer parce que ça, elle n'aime pas ça du tout. J'ai accès à une eau qui passe par un pré-filtre en amont, donc l'eau est vraiment nickel.
Maintenant, en fait, quand on va remplir, on va faire attention à une chose. Si je prends un arrosoir et que je verse dans le coin, ça va créer un gros courant et ça va enlever toutes mes plantes. C'est pas ce que j'ai envie. Là, tu as plein de techniques. On pourrait par exemple bourrer l'aquarium de sopalin, tu vois. Ça, je l'ai fait dans une vidéo, je crois que c'est dans ma vidéo sur le combattant. Tu peux aller voir. On pourrait par exemple mettre une petite coupelle dans le fond et verser dessus. Mais là, en fait, comme j'ai ces roches, je vais me servir de ça pour casser le courant. Je vais faire venir l'eau couler doucement sur la roche, qui fait que le courant va se casser en plein de courants différents et ça va remplir tout doux. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, je me rends compte que le substrat n'avait pas été si bien lavé et la roche non plus. Donc, c'est pas super transparent. C'est les roches. Les Dragonstone, elles sont assez boueuses. On a eu beau les laver. Donc, c'est pas grave. On va laisser tourner le bac et puis ça va s'éclaircir en quelques heures. Ok, et ben voilà, donc on a rempli l'aquarium sans trop de problèmes. Regardez, on va remettre un petit peu ces plantes là d'aplomb. Hop, on va les redresser un petit peu, celles qui ont un peu morflé avec le remplissage. Voilà, avec une petite épuisette que je n'ai pas, que je vais aller acheter. Si, tiens, tu peux mettre la petite épuisette là, gros. Tac. Et c'est là qu'en fait, je vais te décevoir. Chez toi, il va falloir attendre un petit peu avant de mettre les crevettes. Ce que tu pourrais faire à ce moment-là, c'est rajouter des bactéries. Je t'explique. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est le cycle de l'azote. C'est qu'en fait, là, on reconstitue un peu la nature. Et pour que la nature se mette en place, eh bien, il y a des cycles biologiques et chimiques. Ton aquarium, pour pouvoir tourner, il a besoin de bactéries qui vont être en fait la centrale d'épuration. L'avantage des crevettes, c'est que je t'ai expliqué qu'en fait, on les nourrit très très peu. Elles vont se nourrir essentiellement des algues qu'elles vont trouver sur les plantes. Donc du coup, c'est pas comme si tous les jours là, il va falloir que je rajoutais de la nourriture et que les bactéries soient là pour épurer et pour transformer cette nourriture. Donc je te conseille quand même d'attendre quelques jours de façon à ce que l'eau s'éclaircisse, de façon à ce que les températures se stabilisent, de façon à ce que tes crevettes, ça se passe plutôt bien. Donc là, techniquement, on va mettre le filtre en place et on va mettre les crevettes parce que je vais vous montrer comment on les acclimate et que de toute façon, dès demain, cet aquarium, on va le démonter et les crevettes, elles vont repartir dans l'aquarium de mon pote. Maintenant, on va brancher le filtre. Donc, tu vas voir en fait que l'air injecté va nous créer un réel courant. Et ça, c'est assez magique. Et regarde, et en fait, j'ai un vrai courant comme si j'avais un filtre à eau, mais uniquement avec de l'air, tu vois. Ma pompe, je peux régler le débit. Donc, en fait, je peux augmenter la diffusion. Hop, donc je peux créer un courant. On a une config à peu près nickel. L'eau, elle est trouble uniquement pour une raison. Parce que le substrat n'avait peut-être pas été si bien lavé. J'ai fait confiance à la vendeuse. Je pense qu'elle avait fait. Elle s'est pas donné à masse pour le laver. Et surtout, les Dragonstone sont des pierres qui à l'intérieur ont de la boue. Donc, du coup, il va falloir quelques heures pour que ça s'éclaircisse. Bon, bah écoutez, là, mon aquarium, il est bien. Les plantes, elles sont pas dans un super sens parce qu'en fait, elles vont se redresser vers la lumière très très vite. Il va falloir genre 12 à 24 heures. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va laisser le bac tourner. Je vais le laisser tourner comme ça toute la nuit. Il est 17 heures là et je pense que dès demain matin, l'eau sera nickel, bien claire et tout. Et c'est à ce moment-là où on va mettre les crevettes. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser le bac tourner et demain, on viendra mettre nos crevettes. Et nous revoilà les amis, à peine 24 heures après. Regardez la différence, le bac est devenu complètement clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre les crevettes à l'intérieur. Je vais vous expliquer comment on acclimate les crevettes. Ça, c'est très important l'acclimatation. J'ai trouvé ça là et on va rajouter quelques petites plantes flottantes. Les plantes flottantes, ça a plein d'avantages. Déjà, sont des plantes qui ont une croissance très rapide. Donc du coup, ça va, pomper les nitrates de ta flotte, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose. Regardez comme c'est joli. Alors les plantes flottantes, il faut qu'il y ait une bonne lumière aussi. Hein. Souvent ça marche pas. Les lentilles d'eau, tu les connais les lentilles d'eau. Les lentilles d'eau, alors t'en mets une et t'en as 2 millions au bout de 2 semaines. Hein. Donc ça peut être très très prolifique. Cette variété, parfois elle démarre et parfois elle démarre pas. Et si elle démarre pas, c'est souvent parce qu'elle a pas assez de lumière. Mais regardez ce que ça donne, c'est quand même très joli. On va pas en mettre trop non plus. Maintenant, on va passer aux crevettes. Donc, c'est parti. J'ai acheté des crevettes. Alors, déjà, vous allez avoir le seum, les amis. Il y a 40 crevettes. J'ai acheté 40 crevettes pour 100 bahts. Ça fait 3 euros. Donc, clairement, c'est pas les mêmes prix. Hein. En France, tu vas les payer quelques euros pièce. Ici, je les ai payés vraiment pas cher. Des petites Red Cherry super jolies. On va maintenant les mettre ensemble dans le bac. Mais avant ça, il va falloir les acclimater. Quand tu reviens de ton animalerie, donc ton aquarium a été mis en place il y a quelques semaines, comme je t'ai expliqué avant. Ces crevettes, elles sont assez sensibles au choc thermique. C'est-à-dire que je t'expliquais qu'elles pouvaient vivre sur des plages de température assez élevées, mais elles n'aiment pas les grosses transitions de température. Donc pour les acclimater tranquilles, le meilleur truc, c'est de poser ta poche comme ça dans l'eau et de la laisser flotter pendant environ 15-20 minutes de façon à ce que les températures de l'aquarium et des crevettes s'équilibrent tout simplement.
Bon bah voilà, comme vous avez vu dans les plans, je suis en train de relâcher les petites crevettes, de les attraper délicatement. Il y en a qui ont mué dans le sac. J'ai cru qu'il y en avait une ou deux qui étaient mortes, mais en fait elles ont mué, c'est des mues. Ce qui est cool avec ces crevettes, c'est qu'en fait elles se reproduisent très très bien en aquarium. Et en fait elles font des petits vivants, c'est-à-dire qu'en fait on appelle, quand elles ont des œufs, on dit qu'elles sont grainées. Et tu verras en fait très facilement sous tes crevettes des petites chapelets d'œufs sous les crevettes. Et en fait à un moment les œufs, elles les incubent sous leur abdomen et elles relâchent les petits vivants. Donc tu trouveras des mini crevettes dans ton aquarium. Et c'est pour ça que je te déconseille de mettre des poissons, même des tout petits poissons. Parce que même des tout petits poissons, et ben en fait ils vont cartonner les petites larves de crevettes. Voilà, elles sont dans le bac. Comme tu peux le voir, en fait elles se sont direct mis au charbon. Hein. Les crevettes sont des animaux qui ne s'arrêtent jamais. Elles sont tout le temps en train de fouiller partout, de chercher des petits trucs à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ben rien du tout. On va ne pas les nourrir pendant quelques jours parce qu'elles vont aller manger vraiment ce que je t'expliquais, toutes les petites algues, les petits trucs et tout. Dans quelques jours, on pourrait leur mettre un ou deux petits granulés pour crevettes. Tu peux aussi leur fabriquer des trucs maison aux crevettes. Tu pourrais par exemple leur donner des feuilles d'ortie séchées, elles en raffolent. Tu peux préparer plein de petites friandises naturelles à base de végétaux pour tes crevettes. Tu as aussi des trucs qui s'appellent des lolis, qui sont des espèces de petits sticks sur lesquels on met des herbes séchées et on leur dépose et elles vont grappiller dessus direct. Bref, il y a plein de manières de faire de la nourriture DIY pour tes crevettes et ça c'est cool. Il y a une deuxième famille de crevettes qui cartonne en aquariophilie depuis aussi des années, ce sont les Taiwan Bee. Si vous voulez surtout pas être un tuto Taiwan Bee, mettez-moi 10 000 pouces bleus sous cette vidéo et je vous fais un tuto Taiwan Bee très bientôt. Sachant que chez les Taiwan Bee, il y en a, elles atteignent des prix de ouf. Comme c'est des morphées de la sélection, des fois je vois passer des crevettes à 2, 3, 400 euros pièce. Ils sont tarés. Donc si tu veux en savoir plus sur les Taiwan Bee, tu sais ce qu'il te reste à faire, mets-moi un pouce bleu. Et voilà les amis, c'était notre premier tuto in situ en Thaïlande dans un shop. Hein. On vous a refait un vrai tuto toupette à l'ancienne où on partait de zéro et là on a un bac à crevettes qui tourne, donc j'étais hyper content de pouvoir vous faire ça ici. Si ça t'a plu, si t'as trouvé ça cool qu'on fasse des tutos directement au marché de Tchatchouchak, mets-moi un pouce bleu et surtout n'hésite pas à t'abonner. Quand je regarde mes chiffres, je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans s'abonner alors que ça vous coûte rien. On se retrouve très bientôt les amis, on vous a tourné plusieurs vidéos en Thaïlande, elles vont arriver toutes les semaines. Maintenant on essaie de vous poster une vidéo tous les dimanches à 14h, donc rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et en attendant je vous dis quoi, et ben à très vite les amis. Ciao.